Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Joue avec moi, jeu pour enfants. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai ce petit jeu, donc ce Glitzat Studio. Donc c'est un jeu, Glitzat Transfer Art. Voilà, donc en fait c'est un jeu qui va nous permettre de décorer différents accessoires. Voilà, ça nous permet de personnaliser des vêtements, des accessoires. Voilà, donc c'est des sortes de tatouages à paillettes. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Voilà. Franchement, je pense que ça va être sympa. Donc voilà, on a de quoi faire. Donc on a 8 7 manucures et puis 50 motifs donc de tatouages. Donc voilà, on a le choix. Beaucoup de... Enfin, pouvoir faire parler notre imagination. Voilà, donc il y a vraiment plein de possibilités. C'est très intéressant. Voilà. Donc là, on a une petite... Même une petite loupe, là, sur le plateau de jeu. Voilà, donc pour permettre de voir les choses plus en détail. De manière plus précise. Voilà. Donc voilà, plusieurs supports possibles, donc que ce soit les tissus, les accessoires, mais aussi sur la peau. Voilà, donc on a plein de motifs possibles, comme je vous l'ai déjà dit. Avec, on a des pinceaux, une pincette aussi, donc pour appliquer les paillettes. Voilà, donc je vous propose d'ouvrir la boîte et de voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai notre plateau de jeu qui est juste ici. Notre petite tablette. Donc bien sûr, après, il faut la compléter avec les différents éléments du jeu. Donc voilà, on a nos petites boîtes de paillettes. On a juste à les mettre aux emplacements prévus pour... Voilà. On a du vert, on a de l'argenté, on a du rose. Là, on a des petits strass. Voilà. Donc là, j'ai un petit pinceau, une pincette. Et encore un pinceau un peu plus fin. Voilà. Donc là, bien sûr, on a nos motifs... de tatouage. Et ici, hop, est-ce que ça s'ouvre? Je n'ai pas l'impression. Voilà. C'est pas facile à ouvrir, hein. Voilà. Donc là, on a notre loupe. Voilà. Hop, on la met comme ça. On peut la baisser, on peut la régler comme on veut. Ce qui est très pratique, bien sûr. Voilà, donc on a plein d'accessoires fashion, ici aussi. Là, on a... des folios, donc des différentes couleurs. Papier folio. On a du noir, on a du violet, on a du doré. Du rose avant d'ailleurs, par contre, ouais. Rose, ensuite on a le doré. Ici on a argenté avec des paillettes, des reflets multicolores, du noir. Voilà.
Ça peut faire vraiment des petits tatouages super sympas, ça, je pense. Voilà. Voilà, ça c'est des petits motifs pour la manucure. Voilà, donc on a plein de petites tailles, plein de petits motifs. Voilà. Puis on a des petits cœurs. Des petits nœuds, des couronnes. Voilà. Des petites étoiles. Voilà, des cristaux de glace. Et là, des papillons. Des fleurs. Voilà, on a plein de petits motifs sympas, donc sûrement pour les ongles quand ils sont tout petits. Donc là, on a une fée. On a des petits motifs aussi, donc ça fait un peu des bracelets. Voilà, donc on a pas mal de motifs, hein. Voilà, on a des cadenas, des cristaux de glace. Oh, on a un magnifique papillon ici. Gigantesque et magnifique, hein? Un beau papillon. Et là, on a des roses, des fleurs. Voilà. Voilà. Donc, hop, voilà, donc le plateau est bien noir ici, donc en bas c'est rose. Voilà. Donc j'espère que ce jeu vous plaît, vous a plu, si vous avez aimé la présentation. Bon, ensuite, on peut faire vraiment sûrement pas mal de choses sympas avec ça. Voilà, donc c'est vraiment libre cours à votre imagination. Vous pouvez mettre, voilà, c'est tous les supports que vous voulez. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos. On a pas mal de vidéos avec de ce type, voire même sur plein plein de types de jouets. Voilà, et laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos avis, de vos idées, peu importe. Aimez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et salut!